La situation au Soudan ne s'améliore pas. Le pays est confronté à un risque d'épidémie en raison du conflit armé qui y sévit depuis des mois. Le système de santé du pays est sur le point de s'effondrer. La situation humanitaire est au plus mal. Depuis le début du mois d'août, plusieurs séries de fortes pluies se sont abattues sur la capitale Khartoum, marquant l'arrivée de la saison des pluies. Cette année, l'environnement humide et chaud en saison des pluies catalyse la reproduction des germes et des moustiques, entraînant ainsi la propagation de nombreuses maladies infectieuses à grande échelle. Pour des raisons de sécurité, les camions de ramassage d'ordures ne peuvent pas entrer dans de nombreuses zones et ne peuvent pas transporter les ordures dans la rue jusqu'au centre d'enfouissement. Après l'entrée dans la saison des pluies, des maladies infectieuses transportées par des moustiques conduiront à des catastrophes plus graves que des conflits. Nous avons perdu la chaîne d'approvisionnement des médicaments et c'est tout ce qu'on a en stock. Presque tous les médicaments à usage quotidien sont en pénurie. Les gens vivent dans un enfer. Si quelqu'un tombe malade, il est difficile de le soigner. La nourriture est presque en rupture de stock.